Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Tout à l'heure, ça nous a été présenté. Ce plan national s'articule autour de cinq axes prioritaires. Pour cette concertation, le S3P Artois a fait le choix d'échanger avec vous et de faire émerger des pistes d'action sur deux axes majeurs qui nous ont déjà été mis en avant tout à l'heure. Le premier axe, et donc le premier atelier qu'on va lancer tout de suite, délibératif, c'est sur l'axe 1 du plan qui concerne l'intégration et la prévention, enfin le fait d'intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services, donc intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits et des services. Est-ce que Cécile Fèvre, encore une fois, on va beaucoup vous solliciter aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un focus sur cette approche de l'éco-conception ? L'objectif, c'est pas que je monopolise la parole. L'important, c'est les témoignages. C'est important les échanges. D'avoir un peu de prise de hauteur et de vulgarisation sur la notion d'éco-conception. Merci. Donc, derrière l'éco-conception, de quoi parle-t-on ? Eh bien, ce sont les démarches de conception des produits qui visent à prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux des produits au cours de son cycle de vie. Alors, comment on peut contribuer à la prévention des déchets grâce à l'éco-conception ? Ça peut passer par différents leviers, c'est par exemple la diminution de la quantité de matière utilisée, réduire à la source en termes de poids, volume, taille des produits, c'est éviter l'emploi de substances dangereuses pour l'homme ou l'environnement qui ne seront donc pas à gérer en fin de vie. C'est améliorer aussi la durée de vie des produits, par exemple en facilitant la réemployabilité, la réparabilité des produits. Et c'est aussi des enjeux d'augmenter l'incorporation de matières recyclées dans les produits. Donc l'éco-conception, d'accord, c'est vraiment une démarche de conception et on peut mobiliser différentes formes de conception pour prévenir les déchets. Voilà, donc on va avoir différentes mesures qui relèvent donc de cet axe favoriser l'éco-conception. Déjà, un certain nombre de mesures qui vont concerner les filières à responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est les mesures qu'on fait figurer en violet clair là, sur la partie gauche de ce que vous voyez à l'écran. Donc, les filières à responsabilité élargie du producteur, pour les personnes qui ne sont pas totalement aguerries à ce concept,
Ce sont des filières importantes en France parce que la France mise beaucoup sur la structuration de filières à responsabilité élargie du producteur pour assurer la prévention et la gestion de la fin de vie d'un certain nombre de produits. Donc, elles sont bâties sur le principe de pollueur-payeur et donc les producteurs et les metteurs sur le marché sont responsabilisés pour prendre en charge financièrement la prévention et la gestion de la fin de vie de leurs produits. Donc, vous avez des filières pour un certain nombre de catégories de produits, pour les emballages, pour les textiles, pour l'ameublement. Et depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, les missions de ces filières ont été renforcées, leur nombre également. La France va être dotée d'une vingtaine de filières REP entre les anciennes et les nouvelles à venir, par exemple dans le bâtiment, pour les articles de sport, bref. Un certain nombre de nouvelles REP pourront être mises en place. Et donc, dans ces filières, il y a différents outils qui peuvent être mobilisés au service de l'éco-conception. Déjà, un levier, je dirais, financier incitatif, c'est la mise en œuvre de primes et de pénalités sur les contributions, donc des producteurs, les contributions financières des producteurs aux filières REP. Et donc, finalement, en fonction des performances des produits qui sont mis sur le marché, on peut mettre en place un système de primes et des pénalités qui récompensent ou voilà, apportent une pénalité pour ceux qui jouent moins le jeu en matière d'éco-conception. Dans les REP, d'autres leviers peuvent être aussi mobilisés. C'est le soutien à des efforts de recherche et développement en matière d'éco-conception. Et puis, depuis la loi AGEC, les filières à responsabilité élargie du producteur, filières REP, de ce qu'on acronyme, vont devoir élaborer des plans de prévention et d'éco-conception au sein de chaque filière pour essayer de dresser une trajectoire et d'accompagner finalement l'ensemble de la filière vers des enjeux de prévention et d'éco-conception. Et puis, dans ce plan, vous aurez aussi d'autres mesures qui vont concerner l'ensemble des acteurs économiques, qui peuvent prendre la forme d'accords volontaires établis entre l'État et certains secteurs économiques qui s'engagent sur des enjeux de prévention et d'éco-conception. Et c'est aussi des enjeux de prévenir la présence de substances dangereuses dans les objets du quotidien en incitant les producteurs à informer puis à substituer un certain nombre de substances qui posent problème aujourd'hui. Et puis, vous avez des leviers, je dirais plutôt, d'accompagnement technique et financier par l'État et ses opérateurs. Donc, c'est l'accompagnement technique de l'ADEME qui dispose de différents appels à projets et outils d'accompagnement des acteurs économiques. Et puis, des moyens financiers à travers le plan de relance aujourd'hui. Et à la fin du quinquennat, il y aura sans doute d'autres dispositifs financiers qui peuvent voilà, faciliter l'innovation et les investissements dans l'éco-conception. Voilà. Et pour finir, il y a un petit volet dans cet axe éco-conception du plan. C'est les enjeux liés à l'obsolescence. Donc, le précédent plan, c'était plutôt attaché aux enjeux d'obsolescence programmée. Et de plus en plus se pose l'enjeu d'obsolescence logicielle. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'identifier des pistes pour limiter ces risques d'obsolescence logicielle et les traduire en outils réglementaires éventuels. Et puis, il y a Alors, un je me certain permets nombre de juste mesures une petite aussi pour digression. mieux informer les consommateurs sur les mises à jour des logiciels qui sont compatibles avec un usage normal des appareils numériques. Voilà. Donc, logiciel en tant qu'adjectif, mais aussi en tant que sujet qui fait référence à des logiciels, des vrais Logiciel, logiciels, tout à c'est fait, ça. Il y a exactement. une double. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Cécile Fèvre. Écoutez, on reviendra certainement vers vous pour parler du deuxième axe de tout à l'heure. On vous l'avait promis, évidemment, aujourd'hui également des témoignages. Vous êtes voilà, une majorité d'entreprises connectées avec nous aujourd'hui. Eh bien, quoi de mieux qu'un exemple d'entreprise qui s'implique et dont l'activité est directement liée au sujet qui nous réunit pour, voilà, pour montrer un exemple, pour partager un retour d'expérience. Pour cela, pour illustrer concrètement cet enjeu, cet axe-là d'intégrer la prévention des déchets dès la conception des produits, on vous propose et on est ravis d'accueillir Vincent Cavrois, qui est responsable hygiène, sécurité, environnement à la société Boulonnaise Électronique. Vincent Cavrois, vous êtes bien avec nous? Oui, bonjour, je vous rejoins. Je pense Merci. que vous m'entendez. Oui, très bien, merci.
Alors, je le disais, vous êtes responsable hygiène, santé, sécurité, environnement à la Société Boulonnaise Électronique. Alors, avant que vous nous expliquiez la manière et le lien de votre activité de manière détaillée avec le sujet qui nous réunit, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le rôle que vous jouez dans cette société et dans un premier temps, qui est la Société Boulonnaise Électronique? Donc, je vous remercie. En tout cas, on remercie Monsieur Lécluse de nous avoir contactés pour pouvoir présenter l'impact de SBE dans le domaine de la prévention des déchets. Alors, je suis responsable QSE et aussi accessoirement DPO pour SBE France. Nous avons accepté avec plaisir de pouvoir participer à ce sujet qui nous semble essentiel aujourd'hui pour faire progresser la société vers une diminution de l'impact des activités humaines sur l'environnement. Alors dites-nous-en un peu plus sur votre société, petite fiche d'identité, petite fiche, c'est un faible mot, allez-y. Rapidement alors, SBE, c'est un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, on est une société des Hauts-de-France, vous pouvez voir sur notre site sur le côté gauche de la diapo, notre situation, notre empreinte au niveau international, donc nous sommes bien à Boulogne-sur-Mer, mais aussi dans d'autres pays en Europe et au Canada, aux États-Unis. Donc, notre business model, qui est aguerri, robuste et a été éprouvé depuis de nombreuses années, est basé sur la prévention des déchets. C'est notre métier, c'est la réparation principalement. Et notre but, c'est d'allonger la durée de vie des produits. Donc, vous pouvez voir quelques grands acteurs pour qui nous travaillons, qui sont les opérateurs nationaux pour la partie française. Et les fabricants de téléphonie, par exemple, qui peuvent être Samsung ou Apple. Oui, on constate une présence forte des acteurs de la téléphonie, l'électronique également, c'est ça? Voilà, c'est l'électronique grand public en général, donc le petit électroménager, la téléphonie, et on travaille aussi pour des sociétés, pour d'autres sociétés, des professionnels du transport, par exemple. Des gens qui travaillent sur des cartes pour les métros ou d'autres choses comme ça. C'est assez large et on est ouvert, on a une capacité à s'adapter à des nouveaux métiers qui est assez intéressante et qui en intéressera peut-être certains. Alors pour qui intéressera missions, peut-être certains participants aujourd'hui. Ouais. Pour mener ces missions et accompagner ces clients, quelles sont les compétences que vous proposez? Alors, au niveau de nos services, l'activité principale, c'est la réparation. C'est une activité qui est très cadrée et donc on a mis en place de nombreux indicateurs qui nous permettent d'avoir une bonne maîtrise opérationnelle puisqu'on doit rendre compte de la qualité de réparation auprès de nos clients de manière quotidienne et mensuelle. Donc, pour que ces activités fonctionnent correctement, les techniciens sont certifiés par les fabricants, la traçabilité des pièces est faite de manière unitaire, de manière à permettre le recyclage de leurs pièces, le recyclage par les fabricants de chacune de ces pièces détachées. Et on applique des règles métiers qui sont assez étendues. Ça va des protections OSD pour aussi bien jusqu'aux bancs de test qui sont très spécifiques à nos métiers et la gestion de la donnée client dans le domaine de la règlement RGPD. Nous proposons aussi d'autres services qui permettent de prévenir les déchets. Ce sont des prestations d'analyse qui vont se faire donc au niveau de la mise sur marché du produit ou bien en cours du cycle de vie. Donc, ces analyses en fait, vont permettre de pouvoir détecter des opportunités d'amélioration et allonger aussi la durée de vie de ces produits. On peut le voir sur le côté gauche, certaines actions. Donc, ça, c'est une mesure de l'augmentation de la durée de vie des moyennes dans quelques pays. Et on voit que sur 6 ans, le produit peut gagner 1 an de vie. Ce n'est pas le cas. Ce que montre le chiffre, c'est que c'est moins le cas. Ça baisse un peu chez l'entreprise, alors que ça augmente plutôt côté produits de grande consommation, c'est ça? Alors, effectivement, c'est une mesure au niveau des produits de grande consommation. D'accord. Ce sont principalement les produits sur lesquels SBE travaille. D'accord. Et on Merci. Voit que cette progression s'est mise en marche vers 2017. Et c'est ce que nous constatons de notre côté. C'est vraiment que les produits sont de plus en plus fiables et de plus en plus durables. Alors, pour nous, une clé de succès de pouvoir faire cette remontée d'informations vers nos clients, c'est finalement d'être reconnu de longue date. Et donc, on a une grande écoute de la part des équipes R&D de nos clients.
Donc ça, pour nous, c'est une chance, mais c'est quelque chose que nous avons bâti sur la durée. Je vais faire un zoom ensuite sur... Un petit focus. Je vais faire un petit focus sur la prévention des déchets au niveau des process qui sont en place aussi bien chez nous que chez les fabricants. Donc vous, vous les appliquez à vous-même, vous les intégrez, et c'est des procédés qu'on retrouve aussi en général donc chez les fabricants. C'est intéressant aussi de questionner la manière dont les fabricants eux-mêmes, en effet, intègrent la prévention des déchets. Merci. Alors, effectivement, moi, j'ai pu vous montrer certains points qui sont connus, qui sont de notoriété internationale. Vous voyez à droite le DAISY, c'est le robot de déconstruction d'Apple. Donc, je pense que c'est la partie visible de l'iceberg. Chez nous, la réutilisation des pièces détachées, donc ça passe par la préparation du traitement de ces pièces défectueuses de manière, au travers, premièrement, d'une traçabilité qui permettra d'identifier chacune des pièces détachées à la suite dans le process pour connaître exactement le pourquoi de la panne qui la concernait. Et donc, ce qui est important pour ces pièces détachées, pour pouvoir permettre leur réemploi, c'est qu'elles soient conditionnées, qu'elles soient traitées de manière adéquate et protégées, puisque toutes ces pièces détachées sont extrêmement fragiles, extrêmement sensibles à des micro-décharges électriques ou à l'humidité, etc. Donc, on en prend soin, en fait, dès le début dans nos process. Un point suivant qui permet de prévenir la création de ces déchets, c'est lors de la conception des produits. Au niveau des fabricants, on constate effectivement qu'il y a une réduction de la quantité de matière utilisée concernant les matériaux critiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui est continu. La meilleure manière de prévenir les déchets, c'est d'en produire moins déjà. Voilà, c'est d'intégrer moins de matière coûteuse dans les produits. Un second point, donc, c'est la fiabilisation des diagnostics qui sont intégrés dès la conception. On constate effectivement des outils de diagnostic qui sont en perpétuelle évolution et fiabilisation, et c'est vraiment très, très efficace. Ça nous permet d'aller droit sur la pièce à changer plutôt que de se poser les questions et de changer des pièces inutilement. Une autre chose qui est très importante, c'est l'allongement de la durée de disponibilité des logiciels que nous fournissent les fabricants. Vous pouvez constater sur vos téléphones mobiles, par exemple, que pendant plus de 4 ans, on continue de vous proposer des mises à jour logicielles. Donc, tout ça permet à votre téléphone de pouvoir avoir une durée de vie augmentée. Et SBE participe aussi dans le domaine de la conception de ces process, puisqu'on propose, par le biais de la connaissance produit que nous engrangeons perpétuellement, on propose des outils de diagnostic en ligne qui permettront donc de vous connecter par exemple sur un site internet d'un opérateur et de pouvoir en répondant à quelques questions avoir des pistes pour pouvoir régler le problème qui vous semblait peut-être au départ une panne et qui finalement peut être résolu à distance, peut-être de manière logicielle ou autre. Alors, ce qui nous intéresse aussi au travers de votre retour d'expérience, c'est on vient de voir des leviers de réussite. Expliquez-nous aussi quelles sont les difficultés auxquelles vous et peut-être d'autres acteurs parmi les entreprises qui sont avec nous pourraient rencontrer dans ce type de process. Et enfin, en quelques secondes, pour finir, sur qu'est-ce que vous en retirez vous aujourd'hui comme enjeux et perspectives pour l'avenir ? Alors, aujourd'hui, nous, on rencontre quelques difficultés par rapport au traitement des plastiques. On a vu depuis l'arrêt des traitements des plastiques en Asie que des solutions françaises se mettaient en place, mais pas forcément déjà sur tous les matériaux. Donc, on constate encore des difficultés pour traiter certains plastiques qui peuvent des fois être de ce fait aiguillés vers une décharge. Donc, nous, ça ne nous convient pas du tout. Et donc, on essaie en permanence de challenger les uns les autres pour pouvoir résoudre ces problèmes, ces problématiques. Un autre point de difficulté qu'on rencontre, c'est aujourd'hui l'apparition de nombreuses sociétés qui réparent avec des pièces détachées qui ne sont pas forcément originales et qui ne vont pas respecter les recommandations clients. Donc, un constat qu'on a sur certains produits qui arrivent chez nous, c'est que de ce fait, il y a plus de pièces qui sont à changer sur un produit. Les devis de réparation vont être faits à un niveau supérieur de tarif et on aura donc plus de risques de refus du client de réparer son produit. Donc, c'est quelque chose sur lequel, aujourd'hui, le fait de confier cette réparation à de plus en plus de,
de réparateurs qui ne sont pas forcément bien préparés, ça engendre finalement une diminution de la durée de vie de certains produits. Et pour nous, l'autre constat, c'est que ça nous génère des pertes de volume avec l'effet de dilution du marché. Alors, au niveau des enjeux et perspectives que SBE voit aujourd'hui, c'est poursuivre la montée en expertise de l'entreprise avec l'intégration de nouveaux métiers, des nouvelles certifications, des nouveaux types de produits que nous traitons. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on a mis en place un réseau qui nous permet d'aller vérifier partout en France des équipements médicaux sur site. Donc ça, c'est un nouveau métier. On est aussi en veille permanente face à la potentielle montée de compétition, de compétiteurs qui n'auraient pas les mêmes impératifs. Donc ça, c'est aussi un levier sur lequel on se concentre. Et on est aussi en recherche permanente de talents pour pouvoir améliorer, augmenter et développer l'éco-conception des services que nous proposons, donc avec des personnes dans les métiers de l'informatique, de l'environnement, de la réparation électronique sur des nouveaux secteurs. Et en autre opportunité… Avis aux talents qui nous écoutent. Alors, vraiment quelques mots, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu frustrant, mais on a déjà pris un peu de retard. Ce n'est pas de votre fait, hein, vous inquiétez pas. Quelles sont les opportunités que vous identifiez en quelques mots pour l'avenir? Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de pouvoir apporter des solutions fiables de recyclage aux éco-organismes. Donc ça peut aussi être donc, de trouver de nouveaux partenariats par ces évolutions réglementaires. On a des capacités importantes à pouvoir rejoindre d'autres univers et on l'a déjà vu en rejoignant l'univers du transport, en rejoignant l'univers d'autres métiers de l'électronique dans lesquels on retrouve des produits électroniques. Et donc aujourd'hui, pour nous, la société s'est mise en action et les éco-organismes ont déjà récupéré les produits suite aux étapes précédentes. Aujourd'hui, nous, on a la capacité à apporter des solutions fiables dans le traitement des produits. Et donc, des nouvelles opportunités de développement qu'on continue de poindre et on n'a pas encore assez de détails sur ce qui va se présenter pour pouvoir en parler plus. Mais donc, on est prêt à créer des connexions. Donc, on vous invite chaque participant de venir vers nous avec vos problématiques pour travailler ensemble sur peut-être des difficultés que vous rencontrez. Alors merci, parce que des appels aux talents, des appels aux connexions, aux partenariats, c'est un peu, je pense, bien dans l'esprit du Stropillier, toi aussi, au travers de cette concertation, de créer du lien et de mettre les gens en réseau hein, pour créer de la valeur. Alors, on va regarder tout de suite si… Merci beaucoup, Vincent Cavrois, pour ce témoignage. On va voir tout de suite s'il y a une question ou deux qui s'adresse à vous par rapport à votre intervention. Jérôme ? Oui, on a une question, Vincent, de M. Bouzenot qui demande si aujourd'hui les métiers de la réparation peinent à recruter. Alors, je pense que ça dépend des sites. Aujourd'hui, nous, sur notre site, on n'a pas vraiment réellement de difficultés à recruter. Non. Mais par contre, en région parisienne, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors, une question qui n'apparaît pas, mais que vous pourriez vous poser. Comment je envoie mon CV à M. Cavrois ou comment je veux le contacter si un partenariat m'intéresse? N'hésitez pas à vous rapprocher du S3PI Artois qui vous donnera toutes les informations nécessaires. On va avancer dans le contenu, mais si des questions arrivent suite au témoignage de Vincent Cavrois, n'hésitez pas à les poser parce qu'on peut encore une fois y répondre par la suite. Merci encore de votre témoignage, Vincent. Avec plaisir. Intéressant de voir comment un acteur comme SBE s'implique dans ce sujet de la prévention des déchets. À très bientôt. On va poursuivre. On va vous redonner la parole maintenant. On va vous redonner la parole car… On vous l'a dit tout à l'heure, vous êtes connecté à Klaxoon. Alors, pour la grande majorité d'entre vous, pour les autres, on vous le disait, n'hésitez pas à apporter vos réponses directement dans l'onglet conversation. On vous redonne les modalités de connexion à Klaxoon très rapidement. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer, en lien très direct cette fois, des questions en lien très direct avec ce premier axe qu'on vient d'aborder. Et moi, je vais pouvoir partager à l'écran, mon propre écran. Voilà. Un tout petit instant. Voilà, nous revoilà sur Klaxoon. Débat interactif 1, vous le voyez. On va tout de suite lancer des questions sur des propositions qu'on vous soumet. Et on vous demande de répondre à cette question en sélectionnant deux choix parmi tous ceux qui vous sont proposés, s'il vous plaît. Selon vous, améliorer l'éco-conception des produits
passe en priorité par. Alors, plusieurs propositions vous sont formulées. Prenez un peu le temps de les lire, évidemment, avant d'y répondre. Vous pouvez, soyez. Alors, jouez le jeu, s'il vous plaît, parce qu'on pourrait tout cocher si on veut. Du coup, on n'en retirerait pas grand-chose. On vous demande de faire un choix entre, parmi toutes ces propositions, de faire un choix de deux choix possibles maximum, s'il vous plaît. Entre appliquer des primes, pénalités via les filières REP, on en a parlé déjà un peu tout à l'heure, élaborer des plans par filière, des plans d'accompagnement, de financement, etc. Soutenir les acteurs en recherche-développement, en accompagnement, en formation. Réduire l'obsolescence, alors programmer au logiciel au profit de la réparabilité des produits. Passer à une logique d'usage et d'économie de service, et peut-être moins de la propriété. Développer enfin des outils évaluant les impacts environnementaux. Voilà, peut-être qu'en tant que chef d'entreprise ou acteur public ou associatif, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, mais vous ne savez pas comment évaluer tout ça. Voilà, donc, 6 propositions. Merci de choisir 2 choix parmi toutes ces propositions. On va accélérer un petit peu le processus de réponse. Je vais juste lancer encore une fois un tout petit compte à rebours pour stimuler les dernières réponses. Voilà, c'est le moment ou jamais. Là, logiquement, vous avez eu le temps de prendre un peu de recul sur les propositions qui vous sont faites. Allez, encore 20 secondes. Oui, je vais redonner les propositions à l'oral. Pardon, appliquer des primes, des pénalités ou des pénalités via les filières REP. Ensuite, deuxième proposition, élaborer des plans de financement, d'accompagnement par filière. Ensuite, soutenir les acteurs en recherche-développement, accompagnement et en formation. Troisième proposition, réduire l'obsolescence au profit de la réparabilité. Un mot très important. Quatrième proposition, passer à une logique d'usage et d'économie de service. Voilà, et non plus forcément une logique de consommation et de propriété de produits. Développer enfin des outils qui permettent d'évaluer les impacts environnementaux. Voilà, j'ai répété ces items pour vous permettre à vous qui n'êtes pas connectés sur Klaxoon de répondre. Voilà, on va tout de suite dévoiler les résultats et on viendra intégrer à ces statistiques les réponses qui nous sont données dans le chat. On va dévoiler tous les résultats tout à l'heure, une fois qu'on a plusieurs questions à vous poser. Voilà, on va poser une deuxième question maintenant. Pour vous, le principal frein à l'éco-conception des produits, c'est, et là, on vous demande un effort supplémentaire, s'il vous plaît, c'est de ne faire qu'un choix parmi toutes les propositions que je vais vous lire et que vous voyez pour certains à l'écran. Donc, le principal frein à l'éco-conception des produits, selon vous, c'est un modèle économique qui est défavorable à l'éco-conception aujourd'hui. Ensuite, une forte résistance au changement. Évidemment, changer de modèle, ça nécessite du changement et de faire évoluer ses propres pratiques. Ensuite, une insuffisance de compétences et d'outils mobilisables aujourd'hui. J'aimerais y aller, j'aimerais m'y mettre, mais je n'ai pas les compétences et je ne sais pas quels outils peuvent m'y aider. Une concurrence déloyale, notamment de l'international, voilà, qui peut freiner finalement les initiatives et les investissements en la matière. On retrouve ensuite un argument qu'on entend souvent, la complexité de la démarche. C'est compliqué, je ne sais pas exactement comment ça se passe, par quel bout prendre ce sujet, la complexité de la démarche. Enfin, un développement trop coûteux. Voilà, je n'y vais pas parce que je suis persuadé ou j'ai étudié le fait que ça va me coûter trop cher. Je vais le relire une dernière fois assez rapidement pour les personnes qui ne sont pas connectées à Klaxoon. Un modèle économique défavorable à l'éco-conception. Une forte résistance au changement. Une insuffisance de compétences et d'outils mobilisables, une concurrence déloyale, notamment de l'international, la complexité de la démarche ou un développement trop coûteux. Voilà, je vous laisse encore 10 petites secondes. Évidemment, vous avez un peu plus de temps sur le chat parce que je ne peux pas arrêter vos réponses avec le timing de Klaxoon. Voilà, encore, allez, j'attends encore 5 secondes. Je vois que ça évolue encore un peu. Et 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà.
On va dévoiler les résultats tout à l'heure. On va poursuivre avec une troisième question. Vous voyez, pour chaque axe, là, on a quand même, avec S3PI, travaillé des questions assez profondes pour faire dégager des priorités, des axes qui vous semblent à vous, en tout cas, à privilégier ou sur lesquels vous vous positionnez davantage. Troisième question, pour vous, le principal facteur de réussite, on vient de parler des freins, on va maintenant parler des facteurs clés de réussite en matière d'éco-conception des produits et, encore une fois, un seul choix possible, s'il vous plaît, créer un observatoire de l'éco-conception, un outil de prospective et d'analyse pour faire dégager des enjeux. Sensibiliser à l'éco-conception et amplifier la formation. Sensibiliser à l'éco-conception et amplifier la formation. Accompagné par des financements. Voilà, on retrouve la notion de moyens. Promouvoir des retours d'expérience dans l'éco-conception. Créer des labels. Créer des labels. Je vais répéter pour les personnes qui, voilà, qui sont à l'écoute et qui n'ont pas tous les items à l'écran. Donc, les principaux facteurs de réussite en matière d'éco-conception, possiblement créer un observatoire de l'éco-conception, sensibiliser à l'éco-conception et amplifier la formation, sensibilisation et formation, accompagner les démarches par des financements, promouvoir des retours d'expérience dans l'éco-conception, et enfin créer des labels d'éco-conception. Alors, on voit dans le chat, dans l'onglet conversation, que voilà, vous jouez le jeu. Merci de profiter de ces autres interfaces pour répondre. Je vais encore attendre 10 secondes parce que le temps file, le temps avance, avant de passer à une toute dernière question. Mais avant ça, on va découvrir les résultats des trois questions semi-directives qu'on vous a posées. Voilà, 5 secondes. Les derniers items vont arriver. Voilà. Alors, on va évaluer chacune des questions, on va tout de suite, et on aura une toute dernière question ouverte à vous soumettre dans la foulée, mais déjà découvrons ensemble, voilà, ce que vous privilégiez comme démarche, ce que vous privilégiez pour améliorer l'éco-conception, pour 70% d'entre vous, c'est réduire l'obsolescence au profit de la réparabilité. Et je vois notre invité Christian Trenel, que je n'ai pas présenté, mais que je présenterai juste après, prendre des notes attentives, parce qu'il va nous aider à décrypter un petit peu tous vos messages. Ensuite, en deuxième position, soutenir les acteurs en recherche-développement, en accompagnement et en formation, quasiment pour un répondant sur deux, à 46%. Ensuite, développer des outils évaluant les impacts environnementaux pour un tiers d'entre vous, environ 27% des répondants. Voilà, donc les trois items qui ressortent vraiment du lot, réduire l'obsolescence au profit de la réparabilité, soutenir les acteurs en recherche-développement, accompagnement et formation, et enfin, développer des outils évaluant les impacts environnementaux. La logique d'usage n'est pas en reste avec 20% des quasiment des réponses et on retrouve ensuite appliquer des primes à 29%, non, quasiment à égalité, appliquer des primes ou des pénalités et, non, j'ai des bêtises, c'est à égalité avec développer des outils d'évaluation, pardon. Donc, on a deux troisièmes ex aequo quasiment. L'évaluation des impacts au travers, grâce à des outils et appliquer des primes et des pénalités. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette question-ci. On va passer à la suivante. Alors, pour vous, le principal frein à l'éco-conception des produits, c'est principalement un modèle économique défavorable à l'éco-conception. Aujourd'hui, les modèles économiques sont… J'entends Jean-Marie Lécluse à côté de moi qui valide quelque part un petit peu cette approche. Hein, voilà, on en avait parlé un petit peu avant, pour être honnête avec vous. Une concurrence déloyale, notamment de l'international, là, ça concerne quand même un tiers d'entre vous qui considérait que voilà, la concurrence internationale ne permet pas de mettre le pied à l'étrier et d'avancer concrètement sur le sujet. C'est un vrai frein que vous exprimez. Et ensuite, quasiment égalité. On a vraiment ces deux critères qui ressortent du lot, hein, de manière très, très forte. Ensuite, les trois autres sont un peu moins de 10%. La résistance au changement, l'insuffisance de compétences et d'outils, et enfin, la complexité de la démarche. Voilà, on va décrypter les résultats de la troisième question concernant les facteurs de réussite. C'est un peu plus équilibré, un peu plus de répartition, donc entre la sensibilisation et la formation à l'éco-conception. Donc, pour un tiers d'entre vous, 35%. Ensuite, l'accompagnement par des financements. Hein, la question des moyens, évidemment, il faut mettre du,
mettre du carburant dans le moteur de la bonne volonté pour pouvoir avancer sur ces sujets, donc pour 28% d'entre vous. Et enfin, pour un quart d'entre vous, créer des labels, voilà, des labels qui permettent peut-être de formater, de créer des référentiels qui aident à structurer peut-être des démarches et peut-être aussi à donner de la visibilité à ces démarches d'éco-conception. Donc, sensibilisation, formation, financement et les labels sont les principaux items qui ressortent, en tout cas pour vous, selon vous, en tant que facteur de réussite. Voilà, je vais tout de suite quitter cette partie du questionnaire Klaxoon et on va vous lancer une question ouverte parce que vous pouvez vous dire oui, c'est bien gentil, mais là, vous nous avez fait des questions avec voilà, des propositions. C'est pas très démocratique tout ça, mais si, en fait, on va vous poser une question ouverte tout de suite. Par le biais d'un petit brainstorming, vous allez le voir, on vous pose cette question. Est-ce que vous, au-delà des items qu'on vous a déjà proposés, est-ce que vous voyez une autre solution pour faciliter l'éco-conception? Alors, pour répondre, voilà, vous allez cette activité qui va s'ouvrir. Je vais vous synchroniser sur mon écran, comme ça vous allez arriver en même temps que moi sur vos écrans, sur la même chose que moi. Et donc, pour formuler vos propositions, là, on vous demande d'être assez rapide, s'il vous plaît, pour pouvoir réenchaîner et ne pas terminer avec trop de retard. Eh bien, faites comme moi, regardez, je vous montre l'exemple à l'écran. Vous allez cliquer sur le petit onglet, le petit plus qui se trouve en bas, et ça va vous ouvrir un post-it. Vous choisissez, peu importe, la couleur qui vous convient. Là, je reste sur le jaune. Et là, ce post-it va vous permettre d'écrire une idée. Je tape juste « test » en ce qui me concerne. Pardon. Je tape « test ». On va tout faire proprement quand même. « Test ». Et une fois que j'ai écrit ma proposition, alors vous pouvez écrire une phrase, des propositions assez détaillées, vous l'envoyez en cliquant sur le petit avion vert qui se trouve ici, en haut du post-it. Et moi, je vais les voir arriver à l'écran et on va pouvoir les commenter un peu en direct. Voilà, donc allez-y. La balle est dans votre camp. Voilà, et les idées pour moi vont arriver dans mon petit totem ici. Et je vois donc, je vais commenter en direct. Soutenir et développer la recherche et le développement. Une TVA préférentielle pour les produits et co-conçus. Des avantages, des encouragements fiscaux. N'utiliser que les matériaux facilement recyclables. Vous voyez, on pourra faire quelques zooms comme ça. Facilement recyclables. J'approche ça un peu de la R&D. Recherche et développement sur la revalorisation des déchets dangereux. Je vais approcher ça de la recherche-développement. Réglementer le sujet pour imposer ces études aux industriels. Voilà, là, on a plutôt un côté réglementaire et des études qui permettent de prendre de la hauteur pour guider l'action. Imposer des objectifs de performance réglementés. Voilà, je vais mettre ça à peu près dans les mêmes catégories. Une taxe sur les équipements non éco-conçus. Alors voilà, je mets ça dans le même registre qu'une TVA préférentielle. Aussi, voilà, on a dit des primes ou plutôt des pénalités, des taxes sur les équipements qui ne sont pas éco-conçus. Voilà. Pour une éco-conception régionale, alléger les démarches d'autorisation ICPE pour plus d'usines locales. Donc voilà, peut-être aussi un assouplissement pour faciliter le changement. Voilà, je vais mettre ça au même niveau que. Voilà, la réglementation, mais peut-être sous l'angle de la facilitation. Associer systématiquement l'utilisateur du produit à la conception. Donc là, on est plutôt dans des logiques de co-design et de logique d'expertise d'usage, intégrer l'expertise d'usage à ces sujets. Voilà, je vais attendre que certains items s'affichent pour les commenter, parce que je ne voudrais pas vous imposer ma voix de manière trop intensive. Voilà, je vais positionner quelques post-it pendant ce temps-là. Vous pouvez découvrir en même temps que moi les différents types d'items qui sont proposés. Aider le consommateur à identifier les produits lors de l'achat, des indicateurs, des outils d'aide aussi à l'achat, à la bonne consommation. Bonus-malus sur les équipes. Alors, les EO, on va pouvoir m'éclairer sur de quoi il s'agit, je pense, mais qui se répercutent sur les metteurs en marché. D'accord, donc les EO, n'hésitez pas à... Éco-organismes, donc ce sont les... D'accord, les éco-organismes, merci beaucoup. Qui pilotent les filières REP. Merci Cécile Fèvre. Rendre obligatoire le schéma d'éco-conception du produit pour informer le public. Voilà, donc encore une fois, cette notion d'information, de sensibilisation à systématiser.
référencer les entreprises productrices et consommatrices de matières premières secondaires. Voilà, les référencer pour aider aussi les démarches d'achat responsables, en tout cas d'éco-conception, les valoriser également, favoriser, développer, imposer l'indice de réparabilité, donc un petit côté réglementaire qu'on va associer à tout ça, indice de réparabilité, sensibiliser les maîtres d'ouvrage dans les appels d'offres. Alors là, on n'en a pas vraiment encore parlé, les appels d'offres, mais voilà, intégrer ça dans les appels d'offres, dans les bonnes pratiques d'achat également des grands donneurs d'ordre. Un bonus donné, voilà, on va approcher ça. Voilà. Certifier l'éco-conception. Ici, peut-être en lien avec la recherche-développement et favoriser les démarches. Favoriser la communication. Prix avantageux pour le coût des communications dans les médias. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est de l'encouragement aussi médiatique et économique. Donner un accès aux logiciels et données qui permettent d'éco-concevoir. Donc voilà, c'est aussi avoir cette logique peut-être d'économie de service qui permettent aussi d'accéder à de l'ingénierie, des outils facilitants pour me lancer, plutôt que de devoir peut-être acheter des licences ou des prestations que je pourrais obtenir par ailleurs. Voilà, on va s'arrêter là, en tout cas pour cette partie brainstorming. N'hésitez pas à continuer à envoyer vos propositions. La promesse qu'on vous fait, ça nous donne quelques indices, quelques orientations, et je vais tout de suite m'adresser à Christian Trenel. On va mettre tout ça en ordre, et la promesse qu'on vous fait avec le S3PI, c'est de vous faire parvenir une restitution bien organisée de toutes ces propositions que vous avez formulées. Donc, ça continue d'arriver, n'hésitez pas. Et je vais, pour ma part, arrêter de partager cet écran klaxoon, et pour me connecter avec vous, Christian Trenel, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais on avait un enjeu, c'est de gagner un petit peu de temps. Alors, évidemment, on est ravis de vous avoir avec nous, Christian Trenel. Vous allez pouvoir réagir sur tout ce qu'on vient de voir à l'instant. Alors, Christian Trenel, vous avez été directeur et co-créateur du CD2E, que beaucoup d'acteurs connaissent ici sur le territoire, donc un pôle d'excellence régional de l'éco-transition à Los Angeles. Initiateur avec Jean-Marie Lécluse, ici à mes côtés, et directeur du pôle Team 2. Et vous avez également initié une importante plateforme et aussi des congrès sur l'analyse du cycle de vie. Autant dire que pour commenter ces résultats à nos côtés aujourd'hui, on peut difficilement trouver plus légitime que vous. Vous êtes également accompagné pour nous aider à prendre un peu de hauteur sur le sujet qu'on vient d'aborder, l'éco-conception. Vous êtes accompagné de Carolina Zagłowski. Bonjour. Votre micro est coupé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en analyse du cycle de vie, c'est ça, au cabinet WeLoop. Tout à fait, c'est ça, analyse du cycle de vie et éco-conception. Merci d'être avec nous. Christian Trenel, je reviens vers vous. Quel regard vous portez finalement sur le sujet qui vient d'être présenté et aussi sur les orientations, les priorités exprimées par nos invités aujourd'hui connectés? Merci de m'accueillir et merci aussi de nous faire participer. Je salue les gens de Team 2 qui sont aussi présents à cette manifestation et puis un certain nombre d'acteurs que je connais bien. Pour réagir sur les trois grandes parties, je pense que ce sujet de l'éco-conception est un sujet qui est pris en compte depuis peu de temps. Pour avoir, avec le ministère, le MTE, le ministère de l'Environnement, accompagné et piloté le jury du prix économie circulaire pendant 8 ans, ce sujet de l'éco-conception était vraiment très faible dans les propositions d'action, et je suis très intéressé de voir que cette dimension est maintenant de plus en plus mise en avant. Le deuxième point sur lequel j'aurais aimé réagir peut-être de façon un peu anticipée, c'est réduire les déchets. Je crois qu'il faut bien comprendre aussi, ça l'a été dit quelquefois, que tout déchet n'est pas équivalent. Il y a des déchets non dangereux, volumineux en quantité. Par contre, il y a aussi de plus en plus de déchets extrêmement dangereux. Et à la limite, il faut peut-être focaliser sur tel type de déchets plutôt que tel autre. Dans les réponses qui ont été faites, et là, on aura quelques réactions avec Carolina, quand on met en premier réduire l'obsolescence au profit de la réparabilité, à la fois oui, c'est bien sûr l'objectif de l'éco-conception.
Hein. Et l'éco-conception actuellement, je pense qu'il y a une insuffisance de formation, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des acheteurs ou qu'au niveau des commerciaux pour comprendre en quoi un produit, un service a un impact sur l'environnement et qu'il faut peut-être faire des critères autres pour faire ces sélections. Alors vous dites, quand vous dites, ça veut dire donc, quand on parle de formation, vous insistez aussi sur la formation initiale à laquelle oui, on pense, oui. On moi, pense je pense pas forcément. Il y a une insuffisance d'acculturation et ça commence à venir et on le voit, c'est incité, c'est très bien dans les appels d'offres des collectivités, mais pour avoir travaillé avec quelques grandes entreprises, il y a des cultures, que ce soit d'acheteurs ou des cultures de commerciaux, par exemple, qu'il faut faire évoluer. Il faut doter les entreprises ou les acteurs d'outils pour pouvoir le faire. Et la grande chance qu'on a, c'est qu'il y a un outil qui est maintenant considéré comme partagé au niveau national, international, Commission européenne, Nations Unies, etc. C'est l'analyse en cycle de vie. Et là, peut-être Carolina peut présenter maintenant les différentes facettes de l'analyse en cycle de vie qui permettent d'aller vers une éco-conception des produits beaucoup plus fiable et qui ne soit pas du greenwashing. Carolina, si tu as... Oui, alors merci Christian, merci pour l'invitation de participer à ce webinaire. Alors très concrètement, c'est quoi l'analyse du cycle de vie? C'est vraiment un outil qui va quantifier donc partir tout au long du cycle de vie de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, donc le traitement, en passant par la distribution, l'utilisation d'un produit ou d'un service, ou même d'un projet. Et cette quantification, elle peut être au niveau environnemental. Et là, on a une quantification qui est multicritère. Donc, j'ai vu apparaître l'impact carbone, mais il ne faut pas parler que de l'impact carbone, il faut aussi parler des autres indicateurs environnementaux. On a une multitude d'indicateurs et aujourd'hui, quand on fait une analyse du cycle de vie, on représente une vingtaine d'indicateurs. On peut aussi parler d'une analyse du cycle de vie au niveau social. Et là, donc, on va sortir des indicateurs sociaux. Une analyse du cycle de vie économique, donc analyse des coûts du cycle de vie. Et même une analyse du cycle de vie dite territoriale. Et là, on va vraiment regarder un territoire. Donc, WeLoop fait vraiment l'ensemble de ce type d'analyse du cycle de vie. Et on est là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps pour exprimer, je vous laisse continuer, Christian, peut-être. Oui, l'idée, c'est vraiment de nous apporter un peu de prise de hauteur. Et ensuite, pourquoi pas, de donner envie aux gens de venir vous voir, en tout cas, de prolonger le débat avec vous. On est aussi là aujourd'hui, même si on est à distance, pour créer de la proximité et du lien. Christian Trenel, oui. N'hésitez pas. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que la notion de filière, et peut-être pas uniquement filière REP, est une notion essentielle. Et puis, il faut prendre aussi l'interaction d'une filière vers une autre filière. L'impact de ce que fait la filière textile peut avoir des impacts sur l'automobile, parce qu'il y a du textile dans l'automobile. Et pour qu'une filière comme l'automobile ou comme le ferroviaire bouge, il faut que l'éco-conception elle se fasse au niveau de tous les acteurs donc, de la chaîne dite de valeur, hein, depuis les fournisseurs de matériaux de base, l'acier, l'alu, les plastiques, etc., jusque tous les corps intermédiaires, et puis bien prendre en compte aussi l'utilisation et l'usage. Et cette éco-conception, elle a, je pense qu'il faut lui donner une déconnexion de ça va aider à réduire les déchets. Oui, ça va aider à réduire la production de déchets, mais ça va aussi intégrer d'autres types d'impact. Alors, quand on dit dans les freins, ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance au changement. Qui est pour moi quand même ce qu'on a le plus constaté dans les grosses entreprises qui veulent faire ça. Et il y a des articles qui sont parus très récemment de clubs qui se mettent dans les grosses entreprises, d'acteurs qui disent on a des discours dans nos entreprises, mais ça ne se fait pas de façon réellement concrète. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même ce mouvement qui est en train de se faire.
Vous voulez dire aussi qu'une grosse entreprise a peut-être un logiciel de fonctionnement moins souple et moins agile pour intégrer ce type d'approche, tester, expérimenter que des petites entreprises. Il y a des grandes entreprises. Je voyais une réaction de gens de chez Michelin. C'est vrai qu'ils font des pneus qui durent plus longtemps. C'est vrai qu'ils ont inventé une partie de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Mais certains acteurs disent, mais est-ce qu'on a pris en compte le fait qu'on a aussi favorisé les véhicules de très haute gamme, les plus lourds, qui sont les plus impactants sur l'environnement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a tout ce re-questionnement. Et ça, pour moi, ce sont des éléments qui contribuent à une éco-conception relativement ouverte et holistique. Hein. C'est ça qu'il faut voir et qui me paraît à bien prendre en compte. Et alors, le modèle économique défavorable à l'éco-conception, moi, je serais quand même moins craintif par rapport à ça, parce que je sens qu'il y a beaucoup de démarches partout, beaucoup de questionnements. Et on doit plutôt aider à comprendre comment le faire. Hein. Après, il y a quand même il y a deux dimensions qui ont été citées et qui sont vraies. C'est la dimension concurrence déloyale avec l'international. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais moi, je vois une entreprise de la région qui s'appelle Rolgom qui a fait une ACV et qui a bien pu démontrer que si ces produits venaient de l'international, les impacts environnementaux seraient beaucoup plus négatifs et les gens ont été très sensibles à ça. Hein. Donc, d'accord, il peut y avoir des concurrences prix, mais il faut aussi argumenter d'une façon relativement différente. Et ça, c'est un point relativement… Si je peux me permettre, Christian. Oui, un dernier point, s'il vous plaît, Carolina. Oui. On va vraiment enchaîner, mais oui, on vous écoute. Du coup, j'ai vu les résultats pour les clés de réussite. Je pense que, comme Christian il disait, tout ce qui est sensibilisation et formation, ça, c'est vraiment les points clés en interne, dans les entreprises. Nous, en tant que cabinet d'expertise, on voit aussi beaucoup des difficultés, même au sein d'une entreprise qui souhaite faire l'ACV, de faire cette mobilisation en interne. Donc, ça, c'est vraiment très important. Les financements, bien sûr, et ça vient en lien avec, ça a été dit par Madame Fèvre, avec les financements qui l'ADEME elle peut fournir, même au niveau régional, on a certains types de financements pour réaliser ces types d'analyses du cycle de vie, promouvoir l'éco-conception. Mais en ce qui concerne les labels, je voulais être vraiment très attentif à ça, parce qu'aujourd'hui, on a une énorme quantité de labels. Et les consommateurs qui utilisent donc les produits, ils ne savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Et ça induit à l'erreur. Donc, au lieu de créer des labels, il faut peut-être regarder les labels existants, les bons labels existants, et pouvoir les utiliser. Au lieu de créer encore des nouveaux labels, parce que quand on va acheter quelque chose, on regarde plusieurs labels, des fois, on ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vraiment aussi au niveau de la sensibilisation et de la formation pour pouvoir comprendre ces types de labels. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, difficile pour le consommateur de distinguer un vrai label d'une accroche marketing également, de l'éduquer là-dessus. Donc, on comprend tout à fait. Merci beaucoup, Carolina. Merci beaucoup, Christian. Restez avec nous, évidemment, parce que… Oui, un dernier point, Christian. Vraiment un dernier point. Merci. L'éco-conception, c'est vraiment une nouvelle façon d'innover dont on a besoin et qui n'est pas qu'une innovation technologique. Oui, d'accord. Finalement, on est vraiment sur quelque chose de 360. Hein. On a bien compris que ça a intégré énormément de dimensions et pas que technologiques. Merci beaucoup.